Bonjour à vous pour ce 15e épisode de Pokémon Or avec Ores. Alors, au programme, la ligue. Bon, j'ai un petit peu XP des Pokémon, histoire que ça passe. Je suis pas tout à fait sûr que ça passe, mais bon, on va voir. Je vais essayer d'aller un petit peu loin parce que j'ai fait des tests, histoire de d'être un peu rodé. J'avoue qu'on n'équipait pas très haut niveau, elle n'est pas très bonne non plus. On a un petit peu un VAT qui sert à rien. Mais on va bien voir. Voilà, c'est Clément, il est devenu comme psy. Je l'ai confondu avec une demoiselle à cause de cette magnifique chevelure rousse que vous voyez là. Mais vous allez voir, il s'agit juste d'un ado avec un masque de SM. Voilà. Ou une grosse bouche, je ne sais pas. Donc du coup, là, il m'a envoyé dans Xatu. Voyez voir, voilà, c'est Xatu. Xatu niveau 40. Ah maintenant, je connais les Pokémon par cœur, vous êtes content. Hein. Surtout lui. Là, silence psycho, ça va. Silence onde folie, c'est plus relou. Parce que du coup, ça peut vite, vite dégénérer. Par contre, ça peut bien passer. Voilà, ça passe pas bien, par exemple. Ça passe pas bien. Là, ça va définir si ça passe très mal ou pas. Bon, ça va, ça va. Good start, comme on dit. Voilà, good start, good start, good start. Normalement, vous voyez, ils sont Liboutou, là. Voilà, Liboutou. Liboutou, généralement, je l'envoie Kadabra, parce que l'ombre, c'est très efficace. Ah, au fait, j'ai appris Kadabra. J'ai appris que les types des attaques n'étaient pas en fonction de l'attaque, mais en fonction du type. Par exemple, Point Glace, ici présent, et n'est pas une attaque physique, c'est une attaque, de ce que j'ai pu dire, spéciale. Donc, qui profite d'attaque spéciale. Laquelle profite d'attaque spéciale. En l'occurrence, Ska Kadabra en masse. Bon, Torgnol, ça c'est... Oups. Oh, là on est bien, là on est bien. Kadabra prend 0 dégâts, c'est toujours ça esquivé. Bon, après, j'aurais préféré que ça soit un psycho au premier, mais bon. On peut pas tout avoir. Xatu, c'est un Xatu niveau 42 cette fois-ci. On renvoie Hortefeu et on espère qu'il n'y ait pas un psycho en courutique en face, notamment. Bon, si c'est pas un courutique, ça passe normalement. Nickel. Nickel, nickel. Pas nickel du tout, pas nickel du tout. Normalement, Kadabra devrait résister à un psycho. Quoi qu'il faisait une potion là, c'est un Pokémon principal. Ouais, ouais, j'aurais dû refaire un point éclair en fin de compte. Bon, c'est bon que la balle ombre soit douloureuse, c'est jamais testé. Ouais, pas du tout, c'est nul. J'aurais dû uniquement temporiser pour soigner soigner notre ami Hortefeu. Du coup, Cachéon le fait maintenant, en espérant que Kadabra ne prenne pas trop la sauce. Bon, ça devrait aller. Il me semble que c'est... Ouais, il résiste à ça. Oh, d'accord. Bon, mieux vaut du coup le coup qu'il passe là qu'à un moment plus délicat. Voilà, si normalement il va se prendre deux psychos potentiellement. S'il se prend un coup critique au suivant, ça peut être embêtant. Ah, bonne folie. Bonne folie, c'est chiant. Ah, ça c'est encore plus chiant. Là, il me semble qu'il se met KO. J'ai pas regardé combien le psycho lui faisait exactement. Mais dans le doute, j'aimerais bien éviter un KO potentiel. C'est délicat, c'est très délicat, je vous le dis. Hein. Mince.
En fait, le psy est délicat parce que j'ai pas de type ténèbres en fait. Si j'avais pu choper un démolos pour remplacer Kaninos, ça aurait été trop bien. Mais malheureusement. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait mal les Pokémon Psy. Ça a plein d'attaques spéciales. On vous dit Kadabra en espérant qu'il termine avec une balle ombre. J'en doute un petit peu pour être tout à fait honnête. On n'a pas du tout. Oh putain, mais comment est-ce que je le. Je me souviens jamais de comment j'arrive à le mettre KO sans trop avoir de casse lui. C'est vraiment infâme, quoi. Bon, t'es niveau 34, Sarko, tu peux résister à ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Bon, une grosse consommation de univers potion sur ce combat-là. Je pense que je serais pu être clairement mieux. On a plus que 10. Ouais, on en a 5 combats. Putain, c'est dur. C'est dur. C'est tellement mal, quoi. Là, c'était un petit peu de chance. Pour le coup, normalement, le point éclair ne met pas KO d'un coup. Est-ce que je peux aller les soigner Pokébot maintenant, s'il vous plaît? Peut-être pas, en fait. Non! Laissez-moi aller soigner Pokémon! On ne peut pas. Du coup, on va faire ce qu'on peut maintenant. Savoir utiliser des rappels sur les Pokémon KO et soigner les Pokémon qui sont utiles par la suite, à savoir Kadabra et bah, les deux qui sont KO là en fait. C'est vraiment le prochain dresseur, ça passe uniquement avec Kadabra et Kaninos sans prendre de dégâts, sans prendre trop de dégâts. Mais dans le doute, je les soigne. Ouais, Sarko aussi, allez, on est fou, voilà, hop. En HP, de toute façon, il ira pas loin. Encore Hortefeu, il peut résister un petit peu et c'est pas encore son heure de gloire. C'était plutôt son heure de gloire maintenant. Car le prochain dresseur, c'est le dresseur de type poison. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Oui, j'ai XP notamment Kadabra pour qu'il apprenne Psycho, parce que Psycho c'est trop efficace. J'avais essayé de le faire avec Rafale Psy, et avec Rafale Psy je vous cache pas que c'était très compliqué. Ça mettait aucun Pokémon KO en une attaque, alors que Psycho, contrairement à ça,
Ça fait bien mal. Alors, Fortress, c'est le Pokémon un peu piégeux. C'est le Pokémon qui est insectacier. Du coup, malgré le retard de Kaninos, il peut potentiellement le mettre KO en un coup. Je viens potentiellement. Grâce à la double faiblesse, mais il me semble qu'il survit à rien. Ouais. Allez, Pico, ça fait chier. Bien relou. Dans la grotte de morve, je ne sais plus s'il passe en un psycho. C'est peut-être avec deux que ça passe. Ah, parce que j'ai remarqué quelque chose aussi. Je sais pas si vous le saviez, mais on va dire chaque dresseur, comme j'avais dit précédemment, en fait, chaque dresseur a un Pokémon principal. Par exemple, lui, il me semble que c'est gros tas de morve. Bon, ça passe. Oh, le cocotique. Oh, ça, c'est de la chance. Là, ça va. Je vais l'aléatoire, je te pardonne jusqu'à la prochaine fois, on va ainsi dire. Donc, comme je disais, chaque dresseur d'arène ou en l'occurrence de la ligue a un Pokémon principal entre guillemets, et ce Pokémon principal il va plus en prendre soin et il va avoir tendance à, quand il est low en vie, le heal, ce qu'il fait pas avec les autres. Et il me semblait que c'était le Grotta de Morve. Ah non, c'est le Nos d'Enfer, en fait, c'est le Nos d'Enfer ici, c'est le Nos d'Enfer très clairement. Oui, très clairement. Ça fait mal avec ton reflet. Et espérons que notre psycho touche. Enfin, ça touche. Ah, normalement, on va le mettre. On va le mettre un peu low. Ouais, un peu low. Et là, il va utiliser une potion, voilà. Une guérison. Car nous en face, c'est un problème principal, comme je le disais. Contrairement au notamment Fortress. Mais bon, il le fait qu'une seule fois, du coup, ça passe. Enfin, je pense qu'il le fait qu'une seule fois. Mettre une Ralph à la piscine dans nos doutes, mais. Bon, ça va être toxique. Normalement, Kadabra n'aura pas le temps de prendre un tic, sauf si nos stand-vers évite l'attaque. Non, ce qu'il ne fait pas. D'ailleurs, pour le coup, bien déçu pour le nos stand-vers qui a fait son reflet au début du combat. Bon, ça va, on a pas pris trop de dégâts. Ça s'est assez bien passé. Mais il est un peu bidon, le monsieur Poison. Monsieur. Ouais, la prochaine, ça peut aller aussi. C'est à partir de la ténèbre où on va avoir des soucis. Est-ce que j'ai un. Non, j'ai plus de. Ah, attendez, il faut que je regarde les objets que les Pokémon ont sur eux. Parce que est-ce que je regarde n'importe quoi ou pas? Muscle plus sur. What? Ah, c'est vrai qu'on utilise ça. J'aurais donné comme des débiles, mais. C'est vrai qu'on utilise en combat sur eux, du coup, c'est pas fou. Ah bon, bon, très bien. Parce que là, je vais bien me faire foutre. Ok, donc là, lui, c'est encore une fois Kadabra qui va faire le taf. Les Pokémon sont pas trop en PLS, ça devrait aller. Allons-y. Bonjour Aldo. Et ben, c'est bien de s'entraîner comme méga dingue, Aldo. Bravo l'entraînement, Aldo. Il est tout cassé. Bon. Je ne dirai pas la suite. Tu vas. Quoi? Tu veux que j'arrête de parler? Combat! Mais c'est bien, je veux dire, j'ai pas d'a priori sur les gens, mais... Bref, ça sonne comme je ne suis pas raciste, mais non, on va pas commencer sur ça. Voilà, normalement, un psycho, ça passe, là. Mon petit psycho, ça passe.
Ok, donc ça c'est un putain de tunnel, c'est un tunnel. Du coup, on va juste mettre notre cher Vals. Voilà, t'es bien niqué. On va faire une vive attaque. Oh! Non, pour d'un coup, pour d'un coup. Oh, ça va. Ich-tac. Alors, so what? Pour une fois que Vals était utile, c'est incroyable. Je vais pas dire ça, Vals. Je vais pas blesser tes sentiments. Maintenant, Sarko devrait en prendre soin. Genre, un surf et c'est réglé, a priori. Malgré les 9 niveaux de retard, ce qui m'a bluffé quand je l'avais fait auparavant. Ah, je vous dis, j'en peux plus là. Là, je suis au bout de ma vie. Je sais pas si je la passerai la ligue. Si je la passe là, clairement, je serai heureux. Et je pense que j'en toucherai pas un jeu Pokémon avant un certain temps, pour être tout à fait honnête. A priori, Kadabra up 40, il devrait pouvoir. Hein. Après, lui, il a le match punch. Ouais, il a le match punch. C'est le truc relou. Genre, c'est une attaque. Une attaque force qui est une priorité d'action. C'est-à-dire qu'il frappe avant forcément mon adversaire. Sauf si l'adversaire utilise lui aussi une attaque à priorité d'action. En l'occurrence, bon, ça va. Kadabra résiste. Il a le type pour lui. Bon, si j'ai pu mettre Tignon KO en un coup, je devrais pouvoir mettre Kikli KO en un coup. Et contrairement à Tignon, Kikli n'a pas d'attaque à priorité. Du coup, ça passe. La question, c'est est-ce qu'on grid? On va grid, on va grid. Parce qu'on ne met clairement pas KO en une. En un psycho. J'aurais pu mettre Vals. Envoyer un peu à l'abattoir. Oh! Oh, c'est notre chance ça. Oh, c'est tellement notre chance. Si on avait fait une potion max, du coup, nous on va faire simplement une rafale psy pour pas trop le descendre. Et ensuite, on va être un psycho. D'ailleurs, ce que je me dis aurait été bien mieux parce que j'aurais économisé un coup de psycho. Mais bon. Ah bah, il va rester un psycho en fait. Parce que clairement, rafale psy fait aussi bien mal. Rafale Psy c'est 65 il me semble et Psycho 90 en termes de dégâts. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Pour le coup, c'est vraiment le Psy au début où il y a des problèmes. Là ça passe plutôt bien. Je pense qu'on a même pas besoin de soigner Pokémon pour l'instant. On va attendre qu'ils prennent un peu plus de dégâts. Je vais juste utiliser, je pense. Non, c'est pas PP+. Ah, j'ai pas d'huile. Si j'ai de l'huile, j'ai l'huile. Ouais, j'ai 2 huiles max et j'ai une huile. Du coup, on va juste utiliser une huile sur les psychos. Parce que clairement, c'est une capacité qui fait le taf. Et continuons. Et là, on va simplement mettre Monsieur Muscle en premier, c'est déjà fait. Je l'ai fait en parlant. Car là, c'est la demoiselle Marion qui a des Pokémon de type ténèbres et qui ouvre le bal par un très joli Noctali. Noctali qui, à la place de Kenios, m'aurait bien aidé d'ailleurs. Après, je sais rien contre des Pokémon plantes, mis à part Kenios. Du coup. Mais les Pokémon plantes, il y en a assez peu au final, j'ai l'impression. Faire un corps perdu. De toute manière, il y a assez peu de moyens d'Octali de trop faire de dégâts à muscle. Corps perdu qui est une attaque qui ne rate. Ouais, du coup, j'ai lu mes attaques. Là, je me suis rendu compte que si je ne travaillais, si je n'essayais pas plus fort, je ne pourrais pas y arriver. Donc, corps perdu est une attaque qui fait moyennement mal. Il me semble que c'est 90 ou 70. C'est moyen bon de dégâts. Et la particularité justement, c'est qu'elle frappe toujours en dernier.
Elle frappe toujours Nae d'une part, et d'une autre part, elle ne peut pas échouer, à la manière de Feint. Sauf que Feint n'a pas ce malus de frapper en dernier, naturellement. Non, c'est Rafflesia. Ouais, c'est Rafflesia. Alors Rafflesia, ça passe nickel chrome avec, il me semble, Kadabra et son psycho. La dernière fois j'avais eu de la chance, j'avais fait un psycho, il m'avait fait une attaque nulle. Enfin une attaque qui ne faisait pas de dégâts, du coup j'ai pu l'achever sans aucun souci. Voyons voir ce que ça fait là. Ah non, je la mets pas KO. Ah bah si. Oh bah pff, très bien. Très bien, très bien. Ça règle largement la question. Bah Kadabra, tu fais que des coucoudiques aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le fait de faire la ligue? Moi c'est bien. Ah, Cornèbre. Cornèbre, naturellement, il compense sa faiblesse au combat par son T-Ball, mais son T-Ball lui octroie le handicap d'une faiblesse à électricité. Du coup, le petit Hortefeuille est bien content. Tiens! Bon, Feinte, normalement, ça devrait passer. Et normalement, Hortefeuille met KO en un coup Cornèbre. Voilà, ça devrait passer. Moi je l'espère. Voilà, c'est bon, tout va bien. Là, le ectoplasma, par contre, ça risque d'être plus problématique. On va mettre Kadabra. A priori, il ne met pas ectoplasma KO en un coup avec un psycho. Du coup, on va tenter quand même. J'ai peut-être dû tenter une rafale psy. Avec la possibilité que Rafale Psy met la confusion. J'ai rien dit, excusez-moi. Il me semblait que dans mes essais précédents, ça marchait pas. Oh, c'est le Démolos qui est très problématique. C'est le Démolos qui est extrêmement problématique. Démolos, j'avais mal géré, j'avais mis en première place. Ouais, c'est Démolos, c'est dur, Démolos. Il aura de toute façon le. Allez, on espère. Lance-Tom, il avait fait un coup critique sorti des abysses la dernière fois. Donc j'espère que ce sera pas le cas là. Évidemment. Ah, il fait un petit peu mal, Démolos. Hein. Très clairement, il fait un petit peu mal. C'est un Pokémon principal pour le coup. Et c'est clairement Muscle qui va devoir s'en charger. En espérant que. Là, je vais envoyer. Je pense que je vais envoyer Vals au casse-pipe. Je vais envoyer Vals au casse-pipe et je vais finir de soigner Muscle. T'as plus que 6 par potion, par contre c'est délicat. Bon, il reste un combat ensuite. Du coup. Peut-être qu'on va pas soigner Vals d'ailleurs. Je me dis. Non, il peut pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Le point c'est un peu, c'est trop greedy. C'est clairement trop greedy de nos points, non. Mais bon, il devrait résister, il a 127 HP. Mets le KO s'il te plaît. Oh. J'en peux plus. Et là c'est le dernier, mais ça va être compliqué. Aussi grosse erreur du fait d'avoir. Énorme erreur d'avoir envoyé de l'argent à maman. Moi je suis habitué à prendre mon temps dans Pokémon, on peut me banner partout, faire un milliard de concours d'insectes, enfin.
voyez, je suis habitué à ça. Pas habitué à vraiment me dépêcher. Et là, vu que c'était une course, ben, c'était clairement pas l'objectif. De pas se dépêcher, en tout cas. Avec Cadabra, t'as pris un peu cher, mais est-ce que ça vaut le coup une hyper potion? C'est très compliqué, ça va être très compliqué. Parce qu'en plus c'est dragon et dragon c'est infâme dragon. Je me souviens d'un Ptera du coup au Sarco, on va te garder aux petits soins clairement. Je sais plus ce que c'est le premier dragon qu'on voit. Ah, il me semble que c'est Léviator. Du coup, Hortefeu, tu pourras clairement faire le taf. Et c'est parti. C'est parti. D'ailleurs, je me dis que les gens qui soignent leur Pokémon, enfin, qui pensent pas que le combat va se lancer directement, genre un peu comme les autres précédemment. Les autres précédemment, il fallait leur parler, on pouvait tourner autour. Là on entre et c'est fini. Genre paf, baston. Et je me dis que le mec qui oublie de soigner ses Pokémon et qui entre, il est bien deg en fait. En fait, genre non, impossible. Mensonge. Donc les meilleurs, il me semble qu'il a séisme. En tout cas, je me défie à voir sur les versions suivantes à cause de ça. Bon, apparemment, deux fois de suite, il a fait danse pluie. Parce que j'étais arrivé jusque là, mais. J'avais pas pris assez de rappels, du coup j'avais 3 Pokémon KO en arrivant ici. Et c'était affreux, c'était de l'horreur. C'était de l'horreur totale. Là j'ai vendu mes rappels max pour acheter des. Mes rappels max, mes repousses max pour acheter des rappels. Un Dracaulos c'est compliqué. Alors je vais tester un truc, il n'a pas dit que ça marche, mais j'ai testé. Justement, j'ai appris Point Glace à Kadabra, justement pour essayer de contrer les dragons comme ça. Ah, ça marche. Parce que du coup. Ouf, ça marche plutôt bien. Au revoir, Kadabra! Au revoir! T'inquiète pas, je les rappelle, Kadabra, tout va bien. Un coup critique en plus. Wow. Hashtag overkill. Qui j'ai envie de faire XP là? Peut-être Hortefeu, hein. Oui, tu mets de l'autre côté à plat, après avoir tout déchargé comme ça sur Abra, ça se fait pas trop, je trouve. Hein. Donc, tel point glace, résultat concluant. Hein. Encore. C'est chiant. On va temporiser avec Vals. T'es doté de niveau 40. T'es niveau 47 ou 40? On va dire qu'il vaut 47 pour ma. Bon, j'ai 4 AP. Et franchement, Kadabra, glace canon, quoi. Il arrive, il faut juste un point glace, c'est bon. Oh, malin, hein. Alors, on fait pas des ultra cette fois-ci. On prend en compte les types, salaud. Bon, ouais, du coup, on va essayer, hein. A priori. Alors, si le geler, ce serait trop bien. La consécration! La consécration est là! Regardez-la! Elle est là! Juste en face de vous, elle est là! Elle est là! La consécration. On va y arriver! On peut y arriver! On peut le faire! Ou Ptera. Alors Ptera, Sarko, t'as intérêt à pas fucked up. Hein. Je suis démentalement, je suis en stress, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Ptera. Non, 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 how dare you? Non, non. Clairement pas, clairement pas. Oui! Il a 2 tours de surf. Ouf. Ah, si on m'avait dit que ça serait aussi intense Pokémon, j'aurais pas cru. Ouh!
Ouh, elle s'est dit qu'elle pile 1000 life. C'est-à-dire qu'en deux surfs, c'est bon. On peut y arriver, on peut y arriver. Super, allez. On peut y arriver. Plus de Pokémon. Encore? Oh bah tous les jours, hein. Kadabra, t'es le meilleur, Kadabra, mais si. Vous tous en train de créer Kadabra chez vous. Kadabra. Au niveau 50, si jamais les trois niveaux de différence lui permettent de prendre la vitesse, c'est la merde. C'est très compliqué. C'est bon, Kadabra peut mettre son point glace. Et là, l'avantage, c'est que ça ne mettrait peut-être pas trop low life. Ah, peut-être qu'il n'utilisera pas une potion comme ça. Oh! De Dieu! Dieu est avec nous! Il est avec nous, il est là! Il est aux côtés de Kadabra. Kadabra. Duo de son niveau 42 qui fait face à un Dracolosse et qui le met KO! Eh oui! Plus qu'un Pokémon, le KS, Dracaufeu. Et c'est même pas un petit dragon ça. Ah, genre c'est vol feu. Et du coup, on peut tout mettre hors de feu. Donc c'est vol feu. Hein. Et il a un petit peu l'eau, monsieur. Vol 46, mais qu'est-ce que c'est que ce dragon feu de 46? Donc du coup, j'ai peur. Ouais, on va essayer de temporiser avec hors de feu. Genre, on va faire hors de feu. Son dernier, ça passe. Ça passera. Ouais, c'est bien Volfeu. Est-ce que ça va pas de le. Non, ça marchera pas. Il va falloir laisser Hortefeu se mettre KO. Je suis désolé, Hortefeu. C'est pour la bonne cause. Mais j'aurais dû. J'aurais tellement dû soigner. Je suis stupide. Peut-être que Kadabra a plus de vitesse que lui. Un psycho, c'est fini, hein, après tout. Oui, ça va être fini. C'est fini, on l'a fait. On l'a fait. Alors franchement, je pensais pas y arriver. Je me disais, bon, je vais faire une vidéo où je dis que j'ai pas réussi à battre la ligue, où je me ridiculise devant l'intégralité de personne, parce que personne regarde mes vidéos. Non! Moi aussi, je suis plutôt heureux. Oui. Oui. Ah, merci bien. Oh, je sais pas si. Est-ce qu'on affronte encore Espadin? J'ai un doute. Peut-être pas. Non, le prochain est là, c'est bon. Quand le prochain est là, c'est fini. Oui, j'en peux plus. Prochaine. À l'aide. À l'aide. Oh. Non, je m'en fous. Non, laisse-moi partir. Voilà, vous allez pouvoir le timer sur la League of Fame. Bon, hein. Je vous avoue que j'ai pas été très rapide, hein. Surtout que j'ai pris du temps pour XP des Pokémon là avant la ligue. Oh là là. Non, parlons de talent, non. J'apprécie, mais. Non. Ah oui, insérez-les. C'est eux qui méritent, c'est eux qui ont tout fait, c'est eux. C'est Kadabra, putain. Et Hortefeu. Kadabra et Hortefeu, Master Race. Oui, regardez-le. Regardez-le, Hortefeu, là, regardez-le. Oui. T'es une machine. Toi aussi, t'es une machine. Vous êtes tarés, vous êtes fous. Je vous aime. Pour toi, un petit peu moins, Vals, mais. Vas, je te promets que tu vas up. Bon, toi t'as déjà up Sarco. Et Sarco, t'as été très utile aussi. T'avais moins d'XP, moins de niveau, mais t'as été très utile. Bon, Caninos, il serait temps de te faire évoluer aussi. Hein. Promis, je te fais évoluer. Bon, toi aussi, je peux te faire évoluer. Mais tu déchires ce comme ça, ok? Si je te fais évoluer, ce sera plus drôle.
Et toi, tu pues la merde, toi. Toi, t'es nul. Du coup, 13h06 de temps de jeu, c'est bon, c'est fini. 13h06, c'est genre un speedrun, mais... sur Twitch. Sur Pokémon Play Twitch. Non, en vrai, c'était plus long. C'est beaucoup plus long, il me semble. Enfin, j'espère. Bien, je vois que tu sais te servir des Pokéballs. De prochaine, toujours avoir un côté positif quelque part. Enfin, bref. Eh bien, je vous remercie pour cette aventure, pour tout, pour cette ce coin épique contre la Ligue. J'étais pas du tout sûr de gagner en passant. Hein. Et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Je considère que c'était avant tout pour le fun en fait. Pas vraiment pour le concours. En vrai, j'aurais aimé être plus rapide. Mais je suis pas comme ça. Je suis un petit peu lent de manière générale. Non pas que ça soit une mauvaise chose, je pense, mais dans ça. Juste prendre mon temps. Enfin bref, je vous remercie pour avoir suivi ce playthrough sur Pokémon Or. Enfin, ce playthrough, pas vraiment un playthrough, c'était plus une série d'épisodes, mais bref, je digresse et je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sans Sarco peut-être.